est venu nous enseigner et nous montrer comment est-ce qu'il faut marcher dans cette image de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le second Adam. Jésus-Christ est le second Adam. Il est venu pour nous enseigner, nous faire voir qu'est-ce que Dieu a mis en nous comme homme, comme ses enfants, et comment est-ce qu'on peut marcher comme lui. Parce que le Seigneur nous a dit que les œuvres que je fais, ça vient de mon Père. Et si vous gardez ma parole, les œuvres que je fais, vous pouvez faire même beaucoup, même davantage. Alors, pour que on puisse être amené à faire les œuvres que le Seigneur Jésus-Christ a fait, on doit croire. On doit commencer par croire. Quand le Seigneur marchait avec ses disciples, dans le livre de Marc 11, quand il a parlé à l'arbre pour que l'arbre puisse se sécher, ses disciples l'ont dit, « Seigneur, comment, regarde l'arbre dont tu as parlé, l'arbre s'est séché. » Le Seigneur les a regardés, il les a dit, « Ayez la foi de Dieu. » Ce qu'on est en train de voir ici est que le Seigneur, après avoir parlé, dans la foi, par la foi, parce qu'ici il dit à Pierre, pour comprendre qu'il a fait ça par la foi, il dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu. » En les disant, « Ayez foi en Dieu », ceci peut être dit aussi qu'il est en train de les dire que ce que je fais ici, je l'ai fait parce que j'avais foi en Dieu. Vous aussi, si vous avez foi en Dieu, vous pouvez faire la même chose. C'est étonnant. C'est une chose merveilleuse. Le Seigneur est venu nous enseigner comment marcher dans la foi. Le Seigneur est venu nous expliquer comment marcher dans la foi. Parce qu'il les explique, même à 23, il les dit que si vous avez la foi en Dieu et vous dites à cette montagne, sans douter, sors d'ici, va dans la mer, la chose là arrivera. Voilà. Par là, on comprend que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il a fait par la foi. Il est venu comme un enfant de l'homme. Il s'appelait aussi que je suis le fils de l'homme. Le travail qu'il est venu faire sur terre, il l'a fait comme étant un enfant de l'homme. Parce que lui-même s'appelait l'enfant de l'homme. Et il utilisait sa foi en Dieu pour faire les choses qu'il faisait. Il dit, ce que je fais, je fais.